sud. Je fais. Jonah, t'es là? Merde. Oh. Chut. Ça va? Tout va bien? Jonah, je t'entends. Mais impossible de bouger. Ma jambe est coincée. Tu calmes, je vais chercher de l'aide. Non, je suis tout près des trinitaires. J'ai pas envie de me faire opérer. Je suis en route. Ce sera pas long. Sont une vieille organisation secrète, dirigée par un haut conseil semblable aux Illuminati, dont les origines remontent à avant même la naissance du Christ. Ils sont prêts à tout pour retrouver et exploiter les plus anciens artefacts de la planète, et je suis à leur trousse depuis que j'ai découvert qu'ils avaient tué mon père. Avec l'aide de Jonah, j'ai remonté la piste de plusieurs de leurs cellules, mais systématiquement, les ruines et tombeaux qu'on a trouvés étaient détruits, à l'exception du site de Cozumel. Je dois découvrir ce qu'ils cherchent et pourquoi, et les arrêter.
Jonah, je suis dehors. Fais attention, le chemin du site est rempli de pièges. Ok. Les Trinitaires n'ont pas fini. Ils protègent quelque chose. 6 semaines, et on sait toujours pas qui dirige la cellule locale des Trinitaires. Mais j'ai parlé à des gens en ville, et c'est l'ébullition. Ils attendent la visite d'un VIP pour le jour des morts. Un certain Dominguez, on devrait enquêter. Jonah, j'y suis. Je suis en route. Je serai bientôt là. Désolée, je t'ai pas attendu. Sois prudent. Lara! Oh, mate un peu cet endroit. Nos recherches ont fini par payer. On sait ce que veulent les Trinitaires. Ouais, ils veulent pas nous voir ici. Heureusement qu'on a les notes de ton père. J'ai vu où le passage s'est écroulé sur ta jambe. Tu veux que j'inspecte ta blessure? Non, ça va. C'est quoi tout ça? Des constellations. Cette inscription, c'est une sorte d'énigme. Un poisson rose. Un poisson rose? Une montagne couronnée d'argent. Il y a une date ici. Mais c'est très bizarre. Je crois qu'on l'a abîmée. Peut-être volontairement. Pourquoi les Trinitaires feraient ça? D'habitude, ils se contentent de détruire. Non, les dégâts sont antérieurs. Qui a bien pu y toucher? Lara! Il faut qu'on sorte d'ici! Lara! Non, j'ai besoin de ça! Allez! Si tu m'avais pas sorti, je serais encore dedans à prendre des photos. T'y serais peut-être encore, mais tu ferais pas grand-chose. Jonah. Eh, ça te dit de souffler un peu? On pourrait se poser au café. Le docteur Dominguez est censé y être ce soir. Ça me va. Je vais travailler sur l'énigme, voir si la date peut avoir un rapport. D'accord. Un poisson rose, une montagne couronnée d'argent, je vais chercher aussi. Et sinon, dans ce café, on doit super bien manger. Eh, je connais le cuistot. Oh, j'ai pas vraiment faim. Quoi? Même après tout ça, j'ai la dalle. Je boufferai une baleine. Voilà.
Du nouveau sur le docteur Dominguez? Pas grand-chose. Il dirige les fouilles des Trinitaires dans le coin. Mon père a parlé de lui dans son journal, plus d'une fois. C'est un expert en ruines précoloniales. Tout le monde dit qu'il est génial. Il fait beaucoup pour la ville. Et sinon, ta jambe, ça va? Jonah, regarde. L'énigme, c'est des directions. Pour trouver la cité perdue, suivez la rive vers le sud jusqu'à trouver le poisson rose. Ah, je sais ce que c'est, ça. Des dauphins roses, ils ne vivent que dans l'Amazone. Ça continue. Puis chassez le cœur du serpent jusqu'à la montagne couronnée d'argent. Regarde ça. C'est la constellation de l'Hydre, le serpent. Cette étoile, c'est le cœur. Elle indique le sud-ouest. Donc le sud-ouest du fleuve Amazone. Brésil ? Pérou. Pérou ? Cette date dans les ruines, là. Si tu regardes bien, c'est abîmé. Ce nombre ressemble à un 13 Maya. Mais est-ce que ce ne serait pas en réalité un 8 ? Avec la précession, c'est... Quoi ? La précession. Comme la Terre penche, les étoiles changent de place à l'horizon. Une notion importante dans la navigation nocturne. Ok. Dans le calendrier Maya, il y a 2 millénaires d'écart. À l'époque, le cœur du serpent devait indiquer l'ouest. Donc c'est bien au Pérou et pas au Brésil. Les Trinitaires cherchent au mauvais endroit. Exactement. On doit chercher une montagne couronnée d'argent au Pérou. Mais aussi, j'ai l'impression, une histoire de clé. Les Trinitaires cherchent quoi dans la cité perdue ? Docteur, on a trouvé. Oui ? Montrez-moi. T'as entendu ça ? Voyons où il va. Hé, attends. Les Trinitaires surveillent la zone. On va se fondre dans la masse. Les Trinitaires sont armés. Et ils ont appelé des renforts. Je me ferai pas repérer. J'ai pas envie que ça recommence comme avec la dernière cellule. Ils doivent savoir qu'on vient de l'autre site. Dire qu'on devait se reposer. Où est passé Dominguez ? Il peut pas être loin. Il doit être quelque part dans la cour. Ouais. On va le chercher. Quelqu'un est forcément au courant. Salut, Samy. Comment ça va ? Gracias, Jonah. La muerte es ineficaz. Y la vida es para celebrar. Sí, pero ¿cómo se llama la muerte? Me dije que podía terminarlo. Non mais tu te rends compte? On l'a pris en train de boire les ofrendas. Oh là. Je suis sûre que j'ai dû faire pareil quand j'étais petite. Inutile de le punir. Il est déjà bien puni par la tequila. Avec tout ce qu'il a bu. Oh, toute cette nourriture, ça me donne faim. T'aurais dû manger un morceau. J'étais trop impatiente. Comme toujours. Les jeunes gâchent leur jeunesse, ma chère. À qui le dites-vous ? Mais moi, non. J'ai eu une jeunesse tumultueuse. Ouais, ça va, tant que j'y pense pas. Ah,
le vois pas. Continuons à chercher. Je vous en prie, goûtez. Ça sent super bon. Alors t'as le temps de manger maintenant. J'essaie de m'intégrer. Demande où il va. Tu l'as vu alors? Non. Continue de chercher. Ma grand-mère aurait adoré cette ville. Un jour, faudra qu'on aille à Hawaï pour que tu me montres où t'as grandi. Regarde, c'est pour mon père. Je pourrais en allumer un pour ma mère. J'en avais une comme ça avant. Je l'utilisais tout le temps. Pourquoi t'as arrêté? Je suis allée sur Yamatai. Il se passe tellement de choses ici. J'aimerais bien revenir juste pour visiter. J'aime pas vraiment la foule. Tu préfères les gardes tempêtes ou les immortels? Non, je survivrai. Les gens du coin ont l'air de beaucoup t'apprécier. Je les aime bien. Ils sont gentils. Jonah, il arrive à la porte. Je le vois. Je t'ai vu sourire tout à l'heure, quand on est passé devant le fleuriste. Il vendait des dahlias. C'était les fleurs préférées de ma mère. Bien. Ne laissez personne me suivre. Je dois pouvoir franchir le mur autrement. Moi, je m'occupe de ces gars. Hé, hey, les gars, comment ça va? Bien. Mais faut pas rester là. Dites-moi, il paraît qu'il y a une espèce de super fiesta avec des filles maquillées en squelette. Est-ce que ça vous dit quelque chose? C'est pas pour les touristes. Non, non, c'est que... c'est Maria qui m'a invité. Vous la connaissez, c'est ma cousine. Ma grand-mère était du coin. Ouais, on dirait pas, je sais. Paix à son âme. J'aurais voulu faire une offrande ou ce truc avec les couvertures. Ok, bon, en fait, je vois que vous avez beaucoup à faire. Je vais pas vous déranger plus longtemps. À plus dans le bus. Et merci pour ce que vous faites, hein. On se sent vraiment en sécurité. Au revoir. Jonah, j'y suis. Ok. Ces gardes n'étaient pas à l'entrée tout à l'heure. Dominguez doit se douter de quelque chose. Jonah est un bon ami, doté d'un fort instinct de survie. Je l'ai rencontré il y a quelques années, pendant ma première expédition à bord de l'Endurance. Il m'a immédiatement fait rire en m'appelant ma petite caille. On a traversé tellement de choses ensemble. Et depuis que je n'ai plus de contact avec Sam, ma meilleure amie, Jonah est toujours là pour moi. Il m'a accompagnée à Kitesh pour trouver la source divine, l'artefact que cherchait mon père à sa mort. Et après avoir détruit la source pour empêcher les Trinitaires de s'en emparer, Jonah m'a aidé à les traquer, une cellule après l'autre. Une fois les notes de mon père déchiffrées, Jonah a pensé qu'il valait mieux commencer par Cozumel. Et même si je ne l'ai pas cru tout de suite, il avait raison. Cozumel est le seul site qu'on a trouvé qui n'était pas détruit. Aujourd'hui, je sais enfin pourquoi. Les Trinitaires savent qu'il leur manque une pièce du puzzle et je dois à tout prix la découvrir avant eux.
Pardon, excusez-moi. Commandant ? Oui, monsieur. Malgré le fiasco au Brésil, personne ne remet en doute votre place à la tête de l'organisation. On ne peut plus faire machine arrière. Oui, monsieur. Tout le monde se tient prêt. On n'aura pas eu notre lune de miel. Je suis vraiment désolé. Je vais peut-être faire le voyage tout seul. Pardon. Jonah, Dominguez n'est pas seulement le chef de la cellule. Je pense que c'est lui qui est à la tête des Trinitaires. Faut qu'on fasse attention. Lara ? Oui, c'est bon, je t'entends. Disculpe, señorita. C'est moi. Quelqu'un a déclenché un piège au premier site. Sans doute Lara Croft. Stop. Ça va pas? Je veux des faits, commandant. Pas des estimations. Je vais m'assurer qu'on ait une confirmation visuelle. Jonah, ils m'ont peut-être repéré. Je passe par la ruelle. Je vais trouver un autre chemin. On n'est jamais trop prudent. Vous êtes bien aimable. Merci. On doit y aller. Oui. Dominguez veut savoir si Lara Croft est là. À sa photo, une femme blanche, d'une vingtaine d'années. C'est compris ? Bien. Alors ? Ils la trouveront. Bien. Hors de question que qui que ce soit entre ici.
Hé, sortez de mon bureau. Pardon ? Fermez la porte derrière vous. Ok. Ne t'en fais pas. Vas-y, t'as joué. Les découvertes sur le site sont tout simplement incroyables. C'est la clé de notre prochaine étape. Si c'est bien ça, nous serons prêts. Jonah, ils sont dans le site de fouille. Il y a une clôture et un garde à l'entrée. Je vais trouver un autre passage. J'ai trouvé le coin parfait. Je surveille le périmètre. Ces ruines cachent forcément quelque chose d'autre. Une pyramide maya, à l'intérieur d'une sorte de caverne. C'est fascinant. Emmenez-le dans les ruines. Ça devrait être assez loin pour masquer le bruit. Non, pitié. Ça sert à rien. C'est ta faute. Allez, dépêche-toi. Dernière pensée. Stop, attendez. Je représente le gouvernement. J'ai le droit d'être ici. Maintenant, monsieur l'archéologue en chef, on vient de mettre un terme à votre contrat. Pitié, non. J'ai de l'argent, je peux vous payer. Je vous ferai pas de mal. Vous aidez les Trinitaires ? Ils ont trouvé quoi ? Ça fait déjà plusieurs années qu'ils cherchent à l'entrée du temple. Mais on l'a trouvé. Oh non, il faut que je prévienne ma sœur. Elle devait me rejoindre. Jonah, les Trinitaires viennent d'essayer de tuer un archéologue. Oh merde. Il faut que je découvre ce qu'ils cherchent. Mieux de jeter un œil à ces ruines. Je ferais mieux de jeter un œil à ces ruines. Mieux d'aller inspecter les ruines. Je ferais mieux d'aller inspecter les ruines.
Je ferais mieux d'aller inspecter les ruines. Je la reconnais. C'est Ishel, la déesse de la pleine lune. Oh, et là, c'est Shakshel, la nouvelle lune. Il y a une inscription. Shakshel, la clé se trouve au-delà de son regard. La clé. Voilà. L'entrée doit être là-dessous. Bon, il faut bien que je descende. Ishel et Shakshel sont les deux visages d'une même déesse. Ishel est une jeune femme qui symbolise la vie et la guérison. On l'associe à la pleine lune. Shakshel est une femme plus âgée et représente la mort. Elle est associée à la nouvelle lune. Ensemble, elles symbolisent la dualité et le cycle de la vie et de la mort. Tu regardes cette caverne. Voilà. Jonah, j'entre dans une caverne. On risque de perdre le contact. Bien reçu. Je vais surveiller les Trinitaires.
caverne a l'air d'être souvent inondée. Ce document décrit une sorte de voyage ou de pèlerinage entrepris par les Mayas. Ils transportaient un objet de grande valeur et se dirigeaient vers le sud, vers la source du poisson rose, l'Amazone, exactement comme l'avait dit Jonah. Les bas-reliefs sur ce monolithe maya sont beaucoup trop abîmés pour être déchiffrés. Ok, alors...
Je dois trouver le temple que Dominguez cherche partout. Jonah, j'ai réussi. Je suis dans un temple souterrain. Bien. Waouh. C'est pas bon, ça. Lara, les Trinitaires entrent à l'explosif. J'entends ça. Ça crée des secousses. Il y a une pyramide. Je vais monter au sommet. Bien, j'ai trouvé des plateformes qui peuvent m'aider à atteindre le sommet. Je cherche des contrepoids. Je t'entends mal. Il y a de l'activité ici. Je vais me rapprocher. Faut que je fasse monter cette cloche. Je dois trouver un moyen d'atteindre l'autre côté. Il faut que je fasse monter cette cloche.
Un autre groupe, parti quelques jours après la procession principale, a raconté que des choses étranges s'étaient produites en chemin. Les animaux devenaient de plus en plus féroces et la jungle elle-même paraissait plus dangereuse. Les arbres et les lianes étaient encore plus densément enchevêtrés et portaient des épines longues comme des doigts et acérées comme des lames. Ceux qui en sont dignes seront sacrifiés à la déesse rouge, déesse de la lune croissante et décroissante, notre aïeule à tous, preneuse et donneuse de vie. Thank you.
Un moyen de détruire ces débris. Je dois trouver un moyen de détruire ces débris. Je dois trouver un moyen de détruire ces débris. Jonah. Oui, je suis là. Jonah, il y a une fresque ici. On voit une boîte. L'inscription dit « La boîte d'argent d'Ishel ». C'est sûrement ça dans la cité perdue. C'est une légende maya. Elle dit que la boîte invoquera le dieu Kukulkan. Le dieu de la création. C'est ça que cherchent les Trinitaires. Attends, c'est pas fini. On dirait une série de cataclysmes. Un tsunami, une tempête, un séisme.
L'éruption d'un volcan. Sympa, le dieu de la création. Oui, mais chez les Mayas, Kukulkan est le dieu de la création et de la destruction. On dirait la constellation de l'Hydra, mais les étoiles ont l'air mal alignées. Jonah, j'ai trouvé une dague. Il y a une inscription. La clé du cœur d'Ishel offre la purification. On peut pas laisser faire les Trinitaires. Ouais, faut réfléchir. Merde. Lara, il y a des Trinitaires qui viennent vers toi. Jonah, reste pas là, remonte. Oh non, tu l'as prise, c'est ça? Vite. Ils sont en route. Ce poignard est la clé de chaque Shell. À côté de lui figurait cette inscription. La clé du cœur d'Ishel offre la purification. Qui ça? Le docteur Dominguez et d'autres hommes. Apparemment, on a trouvé ce qu'on cherchait. Génial. Alors le siège commence. Ouais, c'est pour ça qu'on a des renforts. Ça va. Une des arrive cette nuit, j'ai compris. Mais moi, ce que je te dis, c'est que la pluie va noyer cette... Tu crois que je fais quoi, bordel? J'inspecte justement la pompe à eau. Bon. On va faire en sorte que tout se déroule correctement. Comment ça se passe avec la pompe? C'est pas le moment de jouer, espèce d'abruti. J'ai m'aider à préparer les lampes. L'opération Nuit Noire a commencé. Aucun des ouvriers locaux ne doit repartir vivant. Ah merde. On s'est préparé. Vérifie que la zone est sécurisée. Je crois qu'on trouvera quoi? Je sais pas, mais il paraît que ça va être incroyable. On va vérifier que la zone est sécurisée avant que le commandant Rourke arrive. On sera prêt. Les inspecteurs arrivent, soyez prêts. Merde. T'en fais pas, je vais réparer ça. Ah, qu'est-ce que c'est long. Si Dominguez doit vous attendre, quand il arrivera, ça va pas être joli à voir. Quoi, la porte? Les archéologues, là. Là? Mon rapport. Ouais. L'opération. Je passe au prochain secteur. Minute. Je vais vérifier ce que c'est. J'ai quelque chose. Ouais, l'ennemi!
à vos privilèges. Ici les petits camarades. L'opération nous voit avec d'archéologues. Vous êtes bien fait pour leur gueule. Ouais, ça fait des années qu'ils essaient de savoir ce qu'on fabrique ici. Bien, ils ont compris. J'espère que ça valait le coup. Ouais. C'est con, on aurait mieux fait de s'occuper de leurs affaires. QG, ici l'équipe Gamma. Où sont les renforts? Vous foutez pas de moi, la zone est sécurisée, mais on a besoin de soutien. On n'est pas vraiment discret. Soyez prêts. Dooming, faut que je tire ça au clair. Arrête de te cacher. J'imagine qu'un flic kamikaze balance une grenade par-dessus et qu'elle atterrisse au milieu. Ils sont où, ces renforts? On tiendra pas cette porte sans eux. Est-ce qu'il y a bien pu se passer? Quoi encore? Allez voir ce qui se passe. Je vais devoir me racheter des... Il se passe quelque chose. Merde! Confirmez, c'est la raccroche. Tirez. Comme une pièce d'aveu en vie. Elle massacre vos hommes. Merde. Bien reçu. Cible en vue. J'ai jamais aimé les ennemis. Merde, en voilà d'autres. J'espère que c'était les derniers.
La voilà! Arrêtez! Ne lui faites pas de mal. Lara Croft. Je ne pensais pas vous rencontrer de cette façon. Je m'intéresse de près à votre travail. Comme tous les Trinitaires. J'ai sacrifié ma vie pour elle. Où est la boîte d'argent, Dichel ? Donnez-la-moi. Elle est à l'abri. Vous ne l'avez pas. Avec cette clé et la boîte d'argent, nous pouvons refaire le monde. Sans la faiblesse, la cruauté. Et bien sûr, sans tout cela. Mais sans la boîte. L'apocalypse. La mort du soleil. Vous mentez. Lara. Vous l'avez senti en prenant la clé. C'était juste une secousse. Un tsunami se prépare. Et ce sera le premier de nombreux cataclysmes, tout ça grâce à vous! Vous auriez fait la même chose! Certes. Mais en prenant la clé, vous avez déclenché l'apocalypse. Vous rendez-vous compte du tragique de la situation? L'épuration commence. C'est à moi qu'il incombe de l'arrêter avant qu'elle ne consume. Thank you.
Jonah ! Lara ! J'étais tellement inquiet. J'ai échoué. Pire. Comment ça ? Dominguez, il a la dague. Je l'ai perdue. Après tout ce que mon père a dû endurer, j'ai donné au Trinitaire exactement ce qu'il voulait. Il utilisera la boîte et la dague pour recréer le monde. Le recréer comment ? Je sais pas, il veut faire disparaître le péché, la faiblesse. Un homme comme lui, on doit l'arrêter. C'est ma faute. Ok, on s'en chargera, d'accord ? Je te le promets. Non ! On doit atteindre la cité perdue avant eux, il faut qu'on trouve la boîte d'argent ! D'accord, mais d'abord, on va s'occuper de ces gens et les mettre à l'abri. Puis on cherchera la boîte. Mais personne ne sera à l'abri ! Pas s'ils trouvent la boîte avant ! Je dois y aller, je suis la seule à pouvoir faire quelque... La seule à pouvoir faire quoi ? Pourquoi ce serait ta faute, Lara ? Arrête de penser que le monde tourne autour de toi ! Ces gens ont besoin de nous ici. On peut être utile. Et puis, qu'est-ce qu'on a, hein ? Une énigme ? Il va nous falloir bien plus qu'un poisson rose et une couronne d'argent pour trouver la cité perdue. Je vais aider ces gens. Et je trouverai un avion. Je crois qu'on doit chercher une montagne volcanique. La couronne d'argent, c'est sans doute un ensemble de nuages. J'arrive pas à oublier tous les gens qu'on a laissés. Ils ont tout perdu. L'énigme dit... Chasser le cœur du serpent à la montagne à couronne d'argent où les jumelles devisent. Qu'est-ce que c'est que ces jumelles ? Cette tempête me dit rien qui vaille. C'est juste une grosse averse. On va se concentrer sur la montagne nuageuse. Une montagne nuageuse. Même si on trouve, comment on saura que c'est la bonne ? T'as une idée ? C'est notre seul indice. L'inscription prédit plein d'autres catastrophes. La meilleure façon de les aider, c'est d'arrêter tout ça et les Trinitaires. Ok. Mais comment on peut être sûr ? Jonah, ce que j'ai ressenti quand j'ai pris la dague... Tu veux dire les secousses du tsunami ? Plus que ça. C'est comme si quelque chose s'était réveillé. Je sais bien que ça paraît absurde, je sais que c'est difficile à croire, mais tu dois me faire confiance. La confiance est dans les deux sens. Hey ! J'ai peut-être trouvé quelque chose. Vraiment ? Mais oui ! J'aime pas cette tempête. Si on revenait un matin... On est tout prêt. Et c'est pas des intempéries qui vont arrêter les Trinitaires. Miguel, y a un coin pour atterrir ?
Oui, je peux vous déposer près de Kouwaka. Allons-y. Accrochez-vous, ça va secouer. Le docteur Pedro Dominguez est un archéologue spécialisé dans l'histoire maya précoloniale. Mon père le mentionnait régulièrement dans ses carnets. C'est la piste qu'on suivait avec Jonah quand on est arrivé à Cozumel. Son site de fouille là-bas est l'un des derniers où s'est rendu mon père avant sa mort. Si jamais il y a un lien, je veux le découvrir. Je croyais que le docteur Dominguez était à la tête d'une cellule locale des Trinitaires. Mais je n'aurais jamais imaginé qu'il était en réalité le chef de leur haut conseil. Ça pourra servir. Je vais garder ça pour plus tard. Mais où est-ce qu'ils sont? Je dois les retrouver. Ah.
montagne couronnée d'argent. Je me rapproche. Il y a quelqu'un là-bas. Je dois le rejoindre. Des singes hurleurs. Un feu. Il doit y avoir quelqu'un dans le coin. Eh oh ! Jonah ? Miguel ? Vous m'entendez ? Vous êtes où ? Je ne pensais pas que la tempête serait si violente. Tout est de ma faute. J'aurais dû écouter Jonah et mieux réfléchir. Je n'aurais jamais dû prendre cette dague. J'espère qu'il n'y a pas eu d'autres blessés, ni d'autres villages détruits. Je dois arrêter ces cataclysmes, avant qu'il ne soit trop tard.
Un bout de l'avion a atterri là. Mon matériel est dans le conteneur. Il faut que je coupe les sangles. Il y a peut-être un morceau de métal coupant dans ces débris. Sans le bon outil, je pourrais pas l'ouvrir. J'ai besoin de quelque chose pour couper ça. Peut-être un bout de métal de l'épave. Thank you.
Bon, mais c'est émoussé. Je dois trouver un moyen de l'aiguiser. Ça devrait être assez coupant. Ah.
Il porte le monogramme PHF. Probablement les initiales de Percival Harrison Fawcett. Le conteneur est encore retenu par un truc. Ah, voilà. Il y avait une autre corde. Génial. Je peux récupérer mon équipement. Pourquoi j'ai pas tout rangé au même endroit ? Miss Croft ? Quelqu'un me reçoit ? Allô ? Miguel ? Où tu es ? Merde ! Cusco appartient à Hernando Pizarro, représentant de la couronne d'Espagne. Diego de Almagra a été capturé, Rodrigo Orgonés est mort et le reste de leurs armées d'hérétiques ont été mis en déroute.
Nous avons traversé les montagnes jusqu'à la côte, non loin de Cusco. Orgonès est venu à notre rencontre à Cachupampa, un piètre choix pour sa cavalerie. Ses fauconneaux ont dispersé la charge d'infanterie de Gonzalo, mais le terrain marécageux ne permit pas à ses cavaliers, pourtant aguerris, de prendre le contrôle de la situation. Nos arquebusiers impériaux passèrent la rivière et déchaînèrent l'enfer sur les rangs adverses. Pizarro et Orgonès menaient leurs cavaleries respectives, chacune mouvant comme un seul corps, tous les hommes hurlant, les chevaux au grand galop. Je n'avais jamais rien vu d'aussi beau. Quelque part au plus fort de la bataille, Orgonès fut désarçonné par un tir et succomba. On raconte que ce pleutre d'Almagro battit en retraite à Dodane, ce qui ne m'étonne guère de lui. Extrait du journal d'Alonso Luis. Attention, attention. Bien où ça mène. Mai 30. Ce matin, nous avons pénétré un territoire vierge, laissant derrière nous les eaux blanchies au soleil du campement du cheval mort. Le sort semble tourné pour Raleigh, presque littéralement. Sa jambe blessée le ralentit et c'est à présent lui qui est à la traîne. Quand Père s'en aperçoit, il ralentit et se retourne vers nous avec un sourire d'encouragement. Il paraît calme, mais son pas impatient le trahit lorsqu'il nous prend de vitesse à chaque tournant, chaque crête et chaque cours d'eau. Avoir l'honneur de tracer le chemin qui relie cette vie à la suivante pour que nous puissions tous l'emprunter sans encombre. Thank you.
Il y a forcément une sortie. Je trouve un moyen de monter.
Miguel ? J'aime pas ça. Miguel ? Où tu es ? Oh non. Miguel ? Miguel ? Miguel ? Thank you.
C'est un bout de l'avion. Jonah ! Juin. L'enthousiasme communicatif de père est au plus haut, mais je suis assaillie de doutes. Au milieu de la nuit, je l'ai surpris à fixer les étoiles, le regard d'un blanc lunaire. S'il ne m'avait pas si souvent raconté toutes ces histoires sur l'Amazonie, je pourrais croire qu'il y avait de la tristesse dans ses yeux, peut-être même du regret. Ce doit être ces insectes qui nous montent à la tête qui le mettent dans cet état. Août. Ce soir, nous ne trouvons pas le sommeil. La jungle gronde et la lune ne nous aide pas. J'entends la forêt respirer dans mon cou. Son grognement qui fait vibrer la terre. Son énergie indomptable circuler dans les arbres au-dessus de nous. L'imagination est fertile dans une obscurité si épaisse. La fatigue guide nos recherches, s'abattant toujours sur nous au moment le moins opportun. J'ai surpris père à s'assoupir en marchant. Sa main lâchant son bâton. Nous n'avons plus de vivres, nous ne nous nourrissons presque plus que de baies et d'eau de pluie. Mais pour l'instant, aucun de nous deux n'abandonne. Je crains que l'obstination qui nous a menés jusqu'ici ne nous conduise droit à notre perte. L'avion. Jonah, t'es là, Jonah ? Ah.
J'ai cru que t'étais mort. Hé hey, tu sais où est passé Miguel? Il n'a pas survécu. Qu'est-ce qu'il a, ton bras? Ah, je crois que c'est un parasite. J'ai bien cherché de l'armoise, mais ça pousse pas dans le coin. Je vais regarder. Oh ouais, qu'est-ce que tu vas faire? Si on le laisse comme ça, ça va empirer. Et c'est toi. T'es sûr de savoir ce que tu fais, là? En fait, j'ai eu un peu la même chose il y a longtemps, quand j'étais gamine en Égypte. Je vais pas te mentir, ça va faire mal. Tu crois que cette tempête, c'était la tempête? Celle de la fresque? Je sais pas. Je crois qu'on devrait s'arrêter, faire le point. On a foncé tête baissée. Et puis, avec la tempête... J'aurais jamais cru que ça empirerait autant, je... Ouais, j'aurais dû insister pour qu'on cule. Mais je comprends. Tu bloques sur un problème et tout le reste disparaît. Jonah? Hé. Je suis là. Et c'est mon choix. Le plus souvent. Mais si on meurt, qui arrêtera les cataclysmes? Qui empêchera les trinitaires d'agir? Parfois, je sens que je suis obligée de continuer parce que sinon les gens croiront que je les abandonne. Mais peut-être que pour quelques heures, on aurait pu attendre. On devrait lui donner un nom. Ok. Ellie? Ah, c'est mon cousin. Il avait une sale tête d'asticot. Adieu, Ellie. Merci. On devrait y aller. Si on arrive à trouver Kouakiaku, on pourra se reposer cette nuit. Bonne idée. Je crois qu'on peut voir le village à travers les lianes par là. Je suis contente que tu sois restée près de l'épave. Si t'étais là, je voulais que tu puisses me trouver. J'avais le pistolet de détresse, alors... Oui, je crois que Miguel se dirigeait par là quand... Le pauvre. Comment tu t'es débrouillé pour avoir Ellie sous la peau? Ah, j'essayais de savoir si l'eau était propre. Maintenant, je sais. Vraiment, ces trucs, ce que t'as raconté, sur les cataclysmes, l'apocalypse... Je crois que si c'est vrai, c'est assez important pour se sacrifier, ou pousser les trinitaires au meurtre. Donc c'est une question de vengeance? Non. Non. Quand j'ai pris la clé, j'ai aussi senti une force qui m'attirait vers quelque chose. C'est bien réel. Si t'as senti une force qui t'attirait quand t'as pris la clé, elle est dans ta tête maintenant? Non. Elle est partie quand Dominguez a pris la clé. Si c'est aussi fort que ça, comment tu peux être sûr? Écoute, essayons de trouver Kouakiaku, ok? Ouais. Tu sais, si c'était une question de vengeance, je comprendrais. Tu crois vraiment? Tu préférerais pas être dans un endroit chaud et sec avec une bière et peut-être une jolie demoiselle à courtiser? Ouais, c'est pas faux.
C'est même carrément vrai. Mais je comprendrai, je t'assure. C'est pas une vengeance. On peut passer par ici. Med. Ça doit être Kouakiaku. Essayons de descendre pour savoir ce qui se cache dans le temple. T'es sûr que c'est le chemin ? Allez, reste près de moi. C'est tout sauf un bon chemin. Oh. On y est presque. J'ai déjà entendu ça. Non, je te tiens. Ça va aller? Ça va. Plus que quelques pas. Ok. Tout va bien? Ça va, je gère. D'après toi, qui a bâti tout ça? Peut-être bien les Incas. Ils maîtrisaient les lois de l'hydraulique. J'espère que cette structure est là. Le pont est abaissé. On pourrait peut-être le remonter avec ses contrepoids. Peut-être. Je comprends pas ce dialecte. C'est sûrement que j'oublie quelque chose. J'imagine que cette eau-là est potable. Tu veux essayer ? Je crois que je vais plutôt me contenter des bouteilles d'eau qu'on a trouvées dans l'avion. Cela représente le dieu Inca Khon, fils d'Inti, le dieu soleil, et de Pachamama, la déesse de la lune. Khon régnait sur les vents et la pluie, même si certaines légendes font de lui le dieu des phénomènes climatiques venus du sud, alors que son frère Pachacamac régnait sur le vent et la pluie venus du nord. Tu vois, si j'avais su que je passerais autant de temps dans la jungle, j'aurais mieux écouté pendant l'année où j'étais chez les scouts. T'aimais pas ça ? Eh ben, vu la situation de ma famille, on faisait pas beaucoup d'activités comme ça. Oh, impossible de comprendre ce que je lis. Et toi, t'as jamais été chez les scouts ou fait des camps de vacances ? Être en pension, ça compte ? Je sais pas. D'après toi ? Sans doute que non. Mais Ross m'a appris les bases. J'ai toujours préféré la compagnie des adultes, de toute façon. Ouais. Il me manque. Moi aussi. Ce canopa est un réceptacle à offrande, comme du cacao ou du suif. Le canopa rempli était jeté dans un champ au début de la saison des récoltes en honneur de Pachamama, la déesse mère. On pensait que si elle acceptait l'offrande, le paysan aurait de meilleures récoltes et une meilleure saison de reproduction. Sans Ellie, ton bras devrait guérir rapidement. Ouais, je me sens déjà beaucoup mieux. Ça décrit quelque chose de proche. Deux serpents gardent la vie et la mort. Je suis pris au piège dans leur lutte éternelle.
Dans les temps reculés, le cinabre était apprécié pour sa couleur orange vif et utilisé comme pigment sur des céramiques, des fresques ou des tatouages, ainsi qu'à l'occasion de cérémonies religieuses. Ah! C'est trop lourd. Donne-moi un coup de main. Rien. Ok. On va relâcher. Doucement. Il faut que je fasse couler l'eau. Il faut que je fasse couler l'eau. Hey ! Ça a fait quelque chose. L'eau a l'air de faire fonctionner le pont. Remplir le seau. Parfait. Voyons à quoi servent ces contrepoids. Oh, le seau fuit. Très bien. On va réessayer. Je dois réussir à faire couler l'eau jusqu'au seau. Je dois réussir à faire couler l'eau jusqu'au seau. Je dois réussir à faire couler l'eau jusqu'au seau. Je dois réussir à faire couler l'eau jusqu'au seau. Je dois réussir à faire couler l'eau jusqu'au seau. Je dois réussir à faire couler l'eau jusqu'au seau.
C'est bon, Jonah. Tu peux lâcher. Et voilà. On peut traverser. Je crois qu'on va devoir passer par là. Après toi. C'est quoi? On dirait une sorte d'hôtel ou bien... Aide-moi, s'il te plaît. Ok. Qu'est-ce que c'est? C'est une recette. Ça ressemble à un mélange d'herbes pour mieux se concentrer. Ça pourrait être utile si on croise d'autres jaguars. J'espère que non. La sortie est par ici. Approche, on arrive près du village. J'ai hâte de retrouver la civilisation. Pas le même genre de ruine qu'au Mexique. Les carnets de ton père disent quelque chose sur le Pérou? Non, mais bon, la cité d'or secrète est censée se trouver au Pérou, Paititi. Tous les chasseurs de trésors du monde ont tenté de la trouver. Mais ses notes s'arrêtent au Mexique. Comme s'il avait changé d'avis ou... Où? Je sais pas, dans le carnet d'après, on passe en Syrie. Juin. L'entou... 1er août. 30 mai. C'est le carnet de vol de notre avion. Miguel a pris des notes du bulletin météo. Chaud, très chaud et sec pour les trois prochaines journées. Température autour de 35 degrés, ciel dégagé, quelques précipitations légères à prévoir. D'après ces informations, si Miguel avait pensé qu'il y avait plus d'une chance sur deux d'être frappé par un orage, il n'aurait jamais accepté de décoller. Mais aucun orage n'était prévu, ni quoi que ce soit de grave. Cusco appartient à Hernando Pizarro. Je ne sais pas à quelle arme elles étaient fixées, mais elles ont rouillé avec l'humidité de la jungle. Il y a une inscription, mais elle n'est pas très lisible. Persifo 7. Mais nous sommes pourtant à des milliers de kilomètres de sa dernière position connue.
Il porte le monogramme. Un passage. C'est prometteur. C'est quoi déjà l'énigme ? Chasser le cœur du serpent. À la montagne à couronne d'argent où les jumelles devisent. Tu penses qu'on est loin de Kouakiako ? Si on avance bien dans la bonne direction, je sais pas, mais le système d'irrigation est plutôt un bon signe. Pas faux. Il y a eu des. Je ne sais pas à quelle arme elles étaient fixées. Mais elles ont rouillé avec l'humidité de... Ici, à un moment. Pourvu qu'ils soient encore là. Je suis soulagée d'avoir retrouvé Jonah. Surtout après ce que Miguel... Au moins, Jonah m'a pas demandé ce qui s'était passé. Les jaguars, je veux pas qu'ils s'inquiètent. On doit rester concentrés si on veut garder notre avance sur les Trinitaires. Ces deux dieux règnent sur l'au-delà Maya, Xibalba, littéralement le lieu de l'effroi. Vukubkakish, ou Setara, était un énorme oiseau dont on disait qu'il portait le faux soleil dans son bec. Son subordonné était Unkame, mort unique. Ils furent tués par les jumeaux héroïques après des parties de jeu au cours desquelles les deux camps trichèrent. Vukubkakish, notamment, perdit aux fléchettes lorsque les jumeaux utilisèrent leur sarbacane. J'ai trouvé quelque chose, un moyen d'entrer. Si c'est pas la civilisation, je vais attendre près du feu.
Je dois grimper pour passer de l'autre côté. Cet engrenage date du début du XXe siècle. C'est peut-être Fossette et son teint de pin rassis qui attirent toute l'attention, mais je sais que son temps est compté. L'histoire ne retiendra qu'un seul nom, et c'est celui de Timothy Walker, l'homme qui découvrit la cité perdue d'Eldorado. Nous avons installé notre campement dans un canyon et le trajet fut pour le moins difficile. Nous allons nous reposer ici quelques jours pour nous acclimater. Quelques-uns d'entre nous ont besoin de se soigner et je ne dirai pas non à une bonne nuit de sommeil. La jungle monte à la tête des hommes. Ils jurent que quelque chose s'est aventuré dans le camp la nuit dernière. Je me tue pourtant à leur dire que nous sommes près du but et que nous devons tenir bon. L'un des éclaireurs a trouvé une sorte de temple un peu plus loin. Nous allons construire des ponts et des échelles ce matin, puis nous quitterons le camp cet après-midi. Non, impossible. Je peux plus rien transporter. Il y a quelqu'un ?
Maudit soit cet endroit. Maudite soit cette jungle. Elle vous attire avec un joyau, mais dès que vous en approchez, elle vous pousse à la chute. Nous avons bien failli réussir à franchir ce trou sans fond. Une sorte d'hôtel nous appelle de l'autre côté, sous un immense visage de pierre qui semble rire de nos efforts. Quelque chose a attaqué le camp. Certains hommes prétendent avoir vu des panthères, mais d'autres parlent d'une créature plus terrifiante. La moitié de l'équipe insiste pour abandonner l'expédition. J'ai dû sermonner un homme, à titre d'exemple pour les autres. Je n'ai besoin que d'un jour de plus. Un pauvre petit jour. Quelque chose. Faut que j'arrive à traverser le cénote. J'arrive à traverser le cénote. Ils ont dû abandonner cet endroit pendant la construction. Je dois trouver un moyen de traverser le cénote. Ça devrait tenir.
avoir un endroit pour grimper jusqu'à l'hôtel. C'est ici, sous le regard attentif de l'un des dieux de la mort, que se cache la porte de Shibalba, que tous doivent franchir pour passer de cette vie à la suivante. Il doit y avoir un endroit pour grimper jusqu'à l'hôtel. Jusqu'à l'hôtel. Il doit y avoir un endroit pour grimper jusqu'à l'hôtel. Il doit y avoir un endroit pour grimper jusqu'à l'hôtel. Il doit y avoir un endroit pour grimper jusqu'à l'hôtel.
trouvé quelque chose ? Encore un hôtel Maya et puis... Et puis quoi ? Un vieux campement. En ruine. On devrait continuer. Ok. Comment on saura qu'on est de nouveau sur la bonne voie pour trouver la cité perdue ? Les ruines Maya, ça se remarque, tu crois pas ? Ouais. Je crois qu'on peut partir par là. Jonah, donne-moi un coup de main. Ouais. À 3, 2, 1. Ça va aller ? Je veux bien que tu m'aides. Ton dos est salement amoché. Je vais préparer le campement. Laisse-moi jeter un coup d'œil. C'est pas joli. Tu sais, avec tout ce qu'on traverse en ce moment, je pense à mon frère. J'ai toujours essayé de le protéger. De mon père. De lui-même.
mais je l'ai perdu. T'as fait ce que t'as pu. Si j'avais été au bon endroit, au bon moment, il serait encore là. Si j'avais eu des yeux derrière la tête. Tu peux pas protéger tout le monde. Merci. Il me manque. Je sais. Mes parents, ils me manquent tellement. J'ai rêvé de ma mère il n'y a pas longtemps. Ah oui? C'était tellement réaliste. Quand j'étais petite, mon père n'arrêtait pas de me cacher des choses. Des secrets. Sur elle, notamment. Pourquoi il faisait ça? Après la mort de ma mère, il a cherché à m'épargner. Ça m'a jamais empêché d'être curieuse, bien sûr. Ouais. J'ai encore tellement de questions. Ton père a créé autant de mystères qu'il en a résolu. Dominguez a dit qu'il voulait utiliser la boîte d'argent d'Ichel pour refaire le monde. Si toi, tu avais ce pouvoir, tu en ferais quoi? Je paniquerais déjà. Tu reviendrais pas à l'époque où ton frère était vivant pour le retrouver? Et perdre tout le reste? Non, non. J'aime bien ce monde, c'est... Il n'est pas parfait. Mais tout ce à quoi je tiens, maintenant, s'y trouve. Trésor. L'aventurière Lara Croft doit triompher du roi, atteindre la tombe interdite et résoudre le mystère de la Reine Blanche. Mais la route sera semée d'embûches. L'aventurière ne doit pas traîner une seconde. J'ai presque fini! Les murailles du château l'appellent. Tentatrice. On dirait qu'il y a quelque chose là-haut, dans le nid du corbeau. Je dois faire mieux que ça.
notre héroïne croise d'étranges créatures. Elles sont peut-être sanguinaires. Monsieur, je sais combien ces dernières années ont été douloureuses pour vous. Amelia nous manquait tous terriblement. Pourtant, je crains que Lara ne commence à oublier le peu de souvenirs qu'elle avait de sa mère. C'est tragique. Je suis bien conscient que tout ceci ne me regarde pas, mais avez-vous envisagé de lui parler d'Amelia? Il me semble que cela pourrait vous aider à surmonter votre immense tristesse et que cela vous rapprocherait de votre fille. Lara s'envole au-dessus d'un lac de lave en fusion. On dirait une des pièces de ce jeu auquel jouaient mes parents. Mais pourquoi serait-elle ici, sur le terrain de jeu? Il y a un A gravé dessous. A comme Amelia, ma mère. D'une précision mortelle, la plupart du temps. Notre aventurière pourrait viser entre les yeux d'une mouche à 100 pas. La reine blanche est enfermée, mais personne ne l'oublie. La fouille révélera bientôt tous les secrets du site. J'ai beaucoup réfléchi à tout cela, et je reste convaincue que nous devons épargner cette terrible douleur à Lara. Qu'elle pense constamment à sa mère ne sera que plus pénible pour elle. Il vaut mieux pour elle qu'elle vive son enfance avec insouciance, sans être tourmentée par des pensées si sombres. Je vous prierai par ailleurs de renoncer à votre croisade, car je n'aurai aucun scrupule à vous renvoyer du manoir Croft. La tombe interdite l'appelle.
L'aventurière ne doit pas traîner une seule... Le sol se dérobe. Lara plonge dans les ténèbres. Des tombes récentes. Le roi n'est pas tendre avec les intrus. Les portes du château sont bien gardées. C'est pour ça que notre héroïne évite la porte d'entrée. Incroyable. Croft pénètre dans une chambre funéraire, inviolée depuis plus de 1000 ans. L'épreuve de vérité. Notre héroïne devra viser dans le mille pour faire descendre ce panier. Le trésor apparaît soudain. Le roi. Mon intérêt n'est que scientifique. Peu importe si... Non, mon intérêt n'est que scientifique. Mais quel est le rapport avec Lara? Peu importe si... Elle est dans sa chambre. Elle fait ses devoirs. Elle n'a pas beaucoup de temps.
La garde royale ne s'attendra pas à ce que Croft escalade le château. La tour du château est plus haute qu'attendue. Notre héroïne continue son ascension pour trouver une entrée. Notre héroïne remarque une autre entrée. Allez, dégagez! La jeune Lara risque une chute mortelle en avançant, mais elle fait le vide dans son esprit. Oh. Parapets sont endommagés. Elle va devoir se faufiler. Elle est si proche qu'elle peut presque la toucher. Mais un champ de force invisible l'empêche d'avancer. Elle doit trouver une autre entrée. L'aventurière a atteint le sommet. Enfin, elle trouve un moyen d'entrer un peu plus bas. Elle doit rester sur ses gardes. Mais dans quoi je m'embarque encore ? Oh merde ! Enfin, elle pénètre dans la tombe interdite. Waouh ! De nuit, la chauve-souris a volé la reine par 30 nord et 90 est. De sa plume, elle décrit son cœur. Et de la lumière jaillit son amour libéré. La reine blanche se sent peut-être seule. Les coordonnées ont peut-être un rapport avec le globe.
Les coordonnées ont peut-être un rapport avec le globe. Les coordonnées ont peut-être un rapport avec le globe. C'est un très vieux jeu. Deux boucliers et une couronne blanche. La reine blanche, peut-être ? Les coordonnées ont peut-être un rapport avec le globe. Une barde de la moitié du 14e siècle. Germanique, je dirais. Une barde pareille, ça devait être lourd pour ces pauvres chevaux. Les coordonnées ont peut-être un rapport avec le globe. La pauvre bête devait à peine y voir derrière ce chanfrein. Pauvre reine, Marie-Thérèse est morte d'une longue agonie, suite à laquelle le roi déclara « C'est bien la première fois qu'elle me cause du souci ». Louis XIV, le roi Soleil, épousa Marie-Thérèse, mettant un terme à une longue période de guerre entre la France et l'Espagne. Les coordonnées ont peut-être un rapport avec le globe. Une citation de Chaucer. Quoi de mieux que la sagesse ? La femme. Quoi de mieux qu'une femme pleine de bonté ? La tête du roi David.
Le berger est devenu roi. Quel destin! La coupe de Saint-Jean. L'apôtre avait reçu un calice de vin empoisonné. Mais les coordonnées ont peut-être un rapport avec le globe. Un rouleau byzantin. La justice est la volonté constante et perpétuelle de rendre à chacun ce qui lui est dû. C'est de l'empereur Justinien. Un artefact égyptien. Une boîte du mauvais œil. Son contenu était censé aider et nourrir les gens dans l'au-delà. Les coordonnées ont peut-être un rapport avec le globe. Mais où sont les pions blancs? Les coordonnées ont peut-être un rapport avec le globe.